Et salut tout le monde, c'est Excelsior et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour du Dragon Ball Z Fighters ou Fighter Z, comme vous le sentez. On va pas faire un débat là-dessus. Donc, j'ai commencé un petit peu à regarder un peu ce qui se passe à droite et à gauche quand on arrive ici. J'ai voulu vous capturer les premiers instants du mode histoire, mais le problème c'est que à la base je passe par ma PS4 pour enregistrer. Le truc c'est que la PS4 n'enregistre pas les scènes bloquées malheureusement. Donc j'ai dû arrêter parce que mon enregistrement a complètement foiré. Et du coup, j'ai attendu un petit peu et j'ai pu m'acheter un AVerMedia LGP Lite qui, du coup, va pouvoir enregistrer entièrement le jeu sans aucun problème. Et également, donc, comme il a fallu que je le passe par mon PC, je me suis dit pourquoi pas commencer à enregistrer avec Audacity. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à sortir cette vidéo, même beaucoup de temps à sortir d'autres vidéos parce que ça fait quelques mois que je ne suis pas actif sur ma chaîne YouTube. Et pour cela j'en suis désolé, hein. Voilà, malheureusement par manque de temps, avec mon travail et tout ça à côté, j'arrivais pas à concilier les deux. Donc là que je suis en vacances, je peux vous sortir au moins une vidéo. Bref, ça c'était pour la petite parenthèse. On s'en fout un peu, c'est pas grave. Du coup, ce que je vous propose, c'est que bon, là j'ai pas. Faudra que je recommence l'histoire en fait depuis le début. Donc je pense qu'on va essayer. Alors, est-ce que je peux. Afin de jouer dans ce mode, tu devras annuler ton entrée au combat amical. Oui. Entrer en combat amical, ok. Voir les explications, retour, commencer l'histoire. Ouais, mais du coup. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que. Pour bien faire. Pour faire une vidéo propre, je vais aller sur un autre compte pour vous faire l'histoire, du coup. Parce que, en fait, là, celle-là, j'ai un peu commencé, en fait. J'ai fait le début, et c'est qu'après, je m'en suis aperçu que l'enregistrement n'a pas bien fonctionné. Donc, c'est pas grave. On va partir en combat amical. Alors, sélectionner équipe. Non, mais attendez. Participer en combat amical. Non, attendez, j'ai encore mieux. On va tester le mode arcade parce que c'est vrai que j'ai vu très peu de vidéos là-dessus. Alors, le mode arcade, c'était là-bas. J'ai vu très peu de vidéos sur le mode arcade, donc on va tester, lancer l'arcade, voir les explications. C'est un peu le mode arcade, choisis l'un des trois parcours et terminer tous les niveaux, essayer d'obtenir le rang S. Donc ok, donc joueur 1, ok c'est moi. Je pense que là il n'y a pas trop de problèmes. Donc alors, on va pouvoir... Ah, donc là on peut constituer notre équipe. Donc, j'ai très peu de personnages. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que il y a certains personnages que je ne connais absolument pas. Comme lui, par exemple, son Goku Black. Donc, on va le prendre. On va prendre Goku, forcément. Tiens, Gotrunks. Ah, bah, elle était. Pourquoi pas. Ok, continuer. On s'en fout de la personnalisation du joueur, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Ouais, putain, j'ai eu un petit bug, j'ai cru que ça n'enregistrait plus. Alors, chemin du serpent, 3 niveaux, 5 niveaux, 7 niveaux. Bon, on va commencer avec le premier palier, hein, 3 niveaux, ça me semble plutôt correct. D'accord, donc, hop. Premier niveau. Donc il faut que j'élimine tout le monde si je comprends bien. Sangoku Black, Goku Super Saiyan et Gotenks. Forcément l'équipe de base, hein, Trunks, Vegeta, Sangoku. Allez, on se motive, on essaye de faire quelque chose de propre. Alors j'ai très peu d'heures de jeu hein, dessus, d'ailleurs je dois même pas avoir une heure de jeu. Hein. Je voulais vraiment garder ce jeu pour vous le présenter en fait. Ah stylé.
de toute façon. Bref. Je voulais vraiment vous le présenter, ce jeu, en vidéo et tout ça, donc j'ai très très peu joué dessus. Comme je vous ai dit, j'ai même pas une heure de jeu. Hein. Donc on va essayer de se démerder un peu comme on peut. Ok. Allez, premier combat, c'est fait. Alors je vous avoue que pour le moment j'appuie un peu sur toutes les touches. Alors. Ok. Allez. Je sais même pas comment on fait pour changer de personnage. Ah, bon, déjà ça c'est fait. Ah bah voilà, comme ça. Bonjour. Ok. Allez, premier palier, c'est fait. Il est stylé, n'empêche. Ok, rang A. Bon, allez. On va essayer de faire ça. Ok. Ah, d'accord. Participation au tournoi. Ok. D'accord. Ok, Vegeta Super Saiyan Bleu, Krillin et C18. En tout cas, je trouve que les graphismes du jeu sont vraiment, vraiment très beaux. On a vraiment l'impression de regarder un peu l'anime, tout simplement. Hein. Je trouve ça vraiment cool, malgré qu'il y ait des personnages comme Sangoku Black, je ne connais absolument pas, je sais même pas d'où il sort, je sais même pas si... Si ça a été créé pour le jeu, je ne pense pas. Je pense que c'est quand même repris de l'animé. Il me semble qu'il n'y a que C21 qui a été créé uniquement pour le jeu et qui n'existe pas. Oh super! Allez, bim, sortie de terrain. Hop. Ah, les animations de... Des attaques, elles sont vraiment magnifiques, honnêtement. Hop, allez. Krillin, tu dégages. Allez, c'est 18. Tiens, on va essayer de jouer avec... Ah merde, alors comment on fait pour changer de personnage? Ah putain, il m'a fumé lui. Ah bah voilà, on va pouvoir jouer avec Goku. Ah
Ok. Allez, ça c'est fait. En soi, les combats sont pas super super durs. Sur ce mode arcade, ils sont pas vraiment. Enfin, ils sont pas super durs. Ah, là, j'ai obtenu le rang C. C'est pas très bon, mais bon. Donc, du coup, je me bats contre qui? Alors, ok. Tenchinan, Piccolo et Goku Super Saiyan Bleu. Honnêtement, je trouve que le côté Super Saiyan Bleu, c'est. Enfin, moi personnellement, ça me plaît pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a un gros débat qui peut se poser sur ce. Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment pas, Dragon Ball Super. Et il y en a beaucoup qui aiment justement. Honnêtement, je suis pas un grand fan des Super. Honnête, c'est. Enfin, je sais pas, je trouve que ça. Pour moi, c'est un peu du n'importe quoi. La série de base, Dragon Ball, enfin Dragon Ball Z, pour moi ça reste un grand classique et ça reste surtout la meilleure des séries, quoi. Mais il faut dire qu'il est stylé quand même. Il est bien fait, mais je suis pas fan. Je sais pas comment expliquer ça. Oh là 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 là. Oh là là là. Ok, je sens que ce combat-là, il va être assez dur. Allez, bim! Dégage, Piccolo! Ok, allez, Tenchinan. Oh, 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 oh. Oh putain, merde. Ok. Ok, allez, plus que un, Tenchinan. Ok, bon, j'ai fait un peu ma pute hein, sur le dernier combat, honnêtement. Je lui ai sorti toujours la même attaque. Mais bon, c'était, on va dire, un moyen pour moi d'être safe. Hein. Donc, résultat, rang C. Bon, ben, j'ai pas réussi à obtenir. Je crois que j'ai fait un rang A, première game. Je suis pas sûr. Ok, félicitations. Objectif, tac, terminé. Ah, donc ça y est, j'ai terminé. Ok, rang B. Bon, bah ça va, c'est pas trop mal. Maître des chemins du serpent. Enfin, du serpent, pardon. Ok. Bon, et ben c'était bien sympathique ce petit mode arcade. Ça peut. Ouais, c'est sympa. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On est déjà à 15 minutes d'enregistrement, c'est déjà pas mal. Tu as terminé chemin du serpent. Débloqué 2500 zénith obtenu. Oh, bah c'est cool.
Le savais-tu? Si tu prouves ta force au mode arcade, Super Saiyan Bleu te rejoindront au combat. Termine tous les parcours de salle de l'esprit du temps et du mode arcade en difficulté. Non, en difficile, pardon, avec un rang A ou supérieur, tu pourras incarner Son Goku Super Saiyan Bleu. Fais la même chose dans Capsule de gravité extrême et tu auras Vegeta Super Saiyan Bleu. Ok, bon, bah ça c'est une bonne information. Donc en gros, bah, en même temps, bah voilà. Ça vous fait un petit tuto pour savoir comment débloquer Sangoku et Vegeta Super Saiyan Bleu. Hein. Donc pour Sangoku, il faut terminer le mode arcade en difficile. Et pour Vegeta, il faut terminer la enfin, cellule de. Comment dire? Ah! De gravité, voilà. Capsule de gravité. Pour obtenir Vegeta. Bref, qu'est-ce que c'est ça? Entrée hall. Bienvenue au stand d'information. Ah d'accord, ok, bon ça on s'en fout. Ok. Bref, on s'en fout. Donc voilà. Bon, ben, j'espère que cette petite présentation du mode arcade ben, vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Je pense re vous refaire d'autres vidéos sur ce jeu très prochainement. Désolé encore pour l'inactivité, l'absence sur ma chaîne YouTube. Honnêtement, c'était pas vraiment voulu, mais voilà, j'ai pas pu faire autrement. Donc voilà, j'ai bah voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère que cette vidéo bah, vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner, en tout cas ça me ferait super plaisir. Et donc voilà, donc je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, allez, ciao tout le monde.